Ce nouveau cristal-mère incarnait pour eux un espoir. Ils seraient délivrés des errances, des massacres et des brimades. Ce que mon peuple désirait, c'était une vie de quiétude. Et elle était à portée de main, au prix du sacrifice d'une seule vie. Une présence armée d'une volonté sans faille qui cherche à nous empêcher d'atteindre la source laissée par Shiva. Sid, accepte de nous aider. Ou plutôt, d'aider l'émissaire de Léviathan à avoir une vie normale, à être libre. Léviathan, un fragment profané de notre pouvoir, son essence souillée par la main de l'homme, révèle son essence gauchie et abjecte, Mythos.